Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite partie de Flippin' Misfits. Pardon, excusez-moi, c'est la fin d'après-midi, c'est un peu compliqué. Et pour jouer avec moi, j'ai deux joueuses de choc puisqu'il s'agit des deux fondatrices de Geek by Girl. J'ai nommé Arokaria. Allez. Et Zafira qui vient de se faire taper par Arokaria. Salut les filles. Désolée. Bon, du coup, vous êtes prêtes? Ah! On est prêtes, hein, ça va être prête. Je vois qu'Aro a déjà commencé les hostilités. Bon, bah, du coup, on va se lancer dans une partie. Donc, c'est juste en face, dans le petit. La petite entrée qu'on voit juste en face de nous. Hop, et là. Par contre, le problème, c'est que je me suis foutue en haut. Donc, ça va être compliqué. Voilà. Tac. Et c'est parti, mon kiki. Lancez le match. Alors, comme vous le savez peut-être pas les filles, on va choisir des mods qui vont nous permettre en fait d'avoir soit plus de rapidité, soit plus de patates quand on va taper. Donc à vous de choisir. Par contre, faites attention, vous avez un petit chronomètre, donc il va falloir choisir rapidement. C'est toujours c'est Lucie qui choisit en premier, hein. Et il faut que tu le mettes sur les petites cases grises en bas. Voilà. Ouais, okay. Maintenant, c'est à moi. Ah, oui. Okay. Non, mais normalement, tu as le droit, tu as le temps d'en prendre qu'un. Hein. Ok, ça marche. Portée d'attaque courte, mais aussi la recharge de l'arme. C'est quoi ça? Pas mal ça. Hop. Ah tiens, pourquoi ça m'étonne pas d'Aro, ça? Regardez. C'est celui que j'aurais voulu prendre de base aussi, hein, si j'étais pas... Et là, maintenant, le but, ça va être de se trouver et de se tuer le plus grand nombre de fois. Alors, vous voyez que les... Ah, faut se tuer les uns les autres? Voilà, c'est ça le but. Regardez, vous avez... Alors, faites gaffe, parce que vous avez des... Alors, c'est bien, parce qu'on va pouvoir se permettre... Ah! J'ai perdu tout le monde. Ah non, si, j'ai vu quelqu'un là-bas. Ah! Ah mince, je l'ai pas vu arriver derrière! Je t'ai trouvé! Je l'ai pas vu arriver derrière, zut! Alors ça peut être très très rapide, hein. Faut faire gaffe aussi parce qu'il y a de la. Il y a de la lag un peu partout, il y a plein de choses. Bon, j'ai trouvé Zaf, mais j'ai pas trouvé Aro. Elle est tombée dans la lave. Ah, ouais. Bah c'est pour ça. Donc... Tombée dans la lave. Ah oui, parce qu'il y a plein de pièges dans les niveaux, donc faut faire super gaffe parce que là-dessus, les développeurs, ils ont été assez sympas. Il y en a même qui se déroulent carrément. En fait, on est à l'extérieur dans l'espace. Et si on se loupe au niveau de... Si on se loupe au niveau de la réception, et ben en fait, on... On est très mal barré parce que du coup. Ah merde, tu m'as eu. Et bah du coup on se retrouve à dériver dans l'espace. Et voilà, le but en fait c'est d'enchaîner le plus de kills possible dans la période qui nous est impartie, c'est-à-dire pas très longtemps. Va y avoir. Ah c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Elle dit ça juste parce qu'elle m'a tué deux fois. Mais en fait, c'est des parties en fait très très courtes, très fun et hyper sympa en fait. Mais ouais. Alors là, la manche est terminée, mais il y a 5 manches sur des niveaux différents. Donc là, c'est moi qui ai tué le plus de personnes, je crois. Ah, on a quelqu'un qui joue avec nous qu'on connaît pas. Bah, enchanté. Ah oui. Du coup, s'il y a quelqu'un qui nous a rejoint la partie, ok. Bah écoute, c'est cool. On connaît pas, mais. Oui. Alors là, c'est à toi, Aro, hein, de choisir. Fais gaffe. Ah, c'est moi, pardon. T'as que 13 secondes. Hein. Mais pourtant, on est en partie privée. C'est chelou, ça. Bah écoute. Oui, faut que tu mettes bien dessus. Voilà. Voilà. Allez, à toi, Lucie.
bah moi je vais prendre. Ouais, non, je vais prendre ça moi. Voilà. Alors prochain terrain. Ouh. Et là on est dans l'espace, donc si on se foire au niveau, au niveau de l'appareil gravitationnel, et bah là on finit vraiment loin dans l'espace et le but c'est que bah. Oh. C'est très coloré, c'est très sympa. Ouais, c'est hyper rapide, c'est fun. Wow. J'ai trois personnes qui m'ont sauté dessus, c'est très rapide. Alors pour l'instant, il n'y a que du deathmatch, mais il y aura peut-être, d'après ce que m'ont dit les développeurs... Mince, là j'ai fait ce qu'il fallait pas. Mais moi aussi, je suis partie dans l'espace. Voilà. Je me suis fait. J'ai eu un virage juste derrière. Pam! Je me suis fait tuer par derrière. Ça, ah, en stream avec la team GBG, ça serait top. Ça. Ah ouais, je pense que ça peut être très, très, très marrant. Parce que moi, déjà, rien qu'avec les développeurs, je me suis bien marrée. Donc, ça peut être extrêmement fun. Je sais pas pourquoi, mais je sens que, comme d'habitude, je vais servir de cible. Ah bon, pour le coup, je regarde pas qui c'est. Hein. Ah non, non, quand quelqu'un, tu vois quelque chose, tu fonces. Oui, non, mais tu cherches pas à comprendre. Alors après, c'est ça qui est un petit peu dommage, entre guillemets, c'est que... Ah, j'ai eu peur. C'est ça qui est un petit peu dommage. Pas très bien, qui est un petit peu dommage, en fait, c'est que malheureusement, une fois que t'es lancé pour attaquer l'adversaire, tu peux pas... Faut vraiment avoir le timing pour contrer au dernier moment, mais t'es lancé et tu peux pas... Tu peux pas porter de coups ou autre pour essayer d'avoir un peu de stratégie, ouais. Quoi. C'est vraiment le missile à tête chercheuse, quoi. Vraiment. Ah, manche terminée. Et alors, comme vous l'aurez remarqué, comme dans Mario Kart, le dernier choisit toujours ses options en premier. Ah ah. Donc, premier choix, c'est Haro. Oh, bah. Directement, c'est celui-là hein, qu'il faut choisir. Mmh. Ça, faut que tu le mettes sur ton arme. Voilà. Plus les matchs avancent, plus tu peux... plus tu as de mode et plus tu es puissant. Plus tu as de possibilités, quoi. Ouais. Et en fait, normalement, au quatrième et cinquième match, vous allez être obligé de remplacer un de vos mods par un autre. Donc, vous allez changer un peu de technique. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est les petits commentaires quand vous perdez. Je sais pas si vous avez oui, vu... Oui, oui, tu t'es fait surpasser, vous surclasse... Ça va piquer demain... C'est ça fait très... disons, t'as envie de te venger, quoi. C'est ça. Et c'est le but. le but, c'est justement... Bah, mais franchement, j'aime beaucoup. J'imagine vraiment bien un stream avec la team sur ce jeu. On pourrait bien rigoler. Et ça peut être très 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 marrant. Ah oui, alors celui-là il est très chiant parce que il y a de la lave sur les côtés. Beaucoup de lave et ça peut être très compliqué. Je sais pas qui c'est qui joue avec nous, mais il a très très vite compris le principe. Oui, il a très vite compris comment il pouvait me tuer facilement. Je sais pas si c'est un vrai joueur ou si c'est un. C'est un vrai joueur parce que le jeu est uniquement en multijoueur. Donc c'est vrai, mais c'est bizarre parce qu'on est on est en partie privée, quoi. Non, bah... non, je pense pas. Il a peut-être trouvé un moyen de se connecter, je sais pas. Je t'avoue que je connais pas assez l'interface. Je sais pas, mais en tout cas, il me dit gomme, hein. Ouais, ça c'est clair. Ouais, moi aussi. C'est
C'est bon, je l'ai eu. Je vous ai vengé. Ouais, vous avez vengé. Enfin bon, là j'ai pas beaucoup brillé sur cette manche là, j'avoue. Pas moi non plus. Pas moi non plus, parce que. Je sais même pas si j'ai fait un kill ou. Si, t'en as fait deux. Ah. Alors, Arrow, c'est toi qui commence. Alors, c'est quoi ça? Vu que c'est toi qui as fait la partie ciné, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un de ta liste d'amis de Steam. Bah, la seule autre personne que j'ai en liste d'amis Steam, c'est le lead designer du jeu. Ce qui pourrait expliquer un peu. Je sais pas son pseudo après. Ah, je sais que quand il joue en stream, il enlève son pseudo, donc c'est possible que ce soit lui. Je l'ai pas eu! Ça serait drôle. Ça serait marrant, effectivement. Alors celui-là, c'est un niveau un peu labyrinthique et c'est fait exprès en fait. Ah, ah ouais, super. J'ai tué Zaf et je me suis fait avoir juste derrière. J'ai fait tous ces avantages. Oh, j'enchaîne. On dirait un petit peu si on était dans un laser game. Oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Et en fait, ça c'est un peu le principe du cache-cache en même temps que du deathmatch, en fait. Donc c'est assez rigolo. Moi, un jeu où je peux tuer Avrocaria en boucle, j'achète. On voit toute la frustration. C'est pas grave, t'inquiète pas, je t'en ai. En fait, elles sont en train de se faire... Je les vois plus, là, elles sont en train de se faire leur petit machin, toutes les deux. Non, moi, je cours et quand je vois, je tape. Voilà, et comme c'est généralement moi qu'elle voit, c'est moi qu'elle tue. Ah là, non, je viens de vous tuer tous les trois de suite. Ah ouais, là, elle a fait un beau kill, là. On l'arrête plus, Lucie, là, elle a tout compris. Ah. Et voilà, la manche est terminée. Ah, c'est Lucie. Eh, 9 kills, Lucie, elle s'est défoncée, là. Ah, là, Zaf... Je commence à bien prendre en main le jeu, là. Ah, Zaf, elle devient très, très, très... très bonne. Aïe aïe, il a pris la mine. Attention, ça rigole plus. Ah, ça c'est pratique. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah ! Merci. Et voilà la dernière. Alors celle-là, elle est chaude, hein. je vous le cache pas, elle est hyper chaude. Ouais, mais... elle est juste pas pour moi, encore une fois. Mais si. Ah merde! Il a laissé la bombe, je me suis prise dedans. Alors, vous ferez gaffe, parce que le challenger qui est avec nous, quand il meurt, en fait, il laisse une bombe. Faut faire gaffe de pas se prendre dedans. Merde. Bon ben, j'ai fait un saut dans l'espace. Ah! Mais à chaque fois, je tombe dedans, quoi. C'est pas possible. J'aime bien le message. Bah, Dido, c'est pas la mort. Et ce qui est bien, c'est que si vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous avez les mods de vos adversaires. De nos... Oui. Comment elle a été tuée aussi? Ah ouais, non, je la prendrai pas celle-là. Démerde-toi comme tu veux. Ah,
va mourir. Ah mais elle te suit là. Elle te suit la bombe. Elle te suit. C'est horrible. Et si t'es pas assez... Ah mais pourquoi c'est moi qu'elle suit? Bah parce que tu viens de me tuer. Bah oui, c'est pas toi. Parce que c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai tué, après tu m'as tué directement derrière, donc c'est toi que la bombe elle suit quoi. Mais c'est pas juste, c'est pas vous qui l'ai tué. Alors ça c'était pas prévu, non je confirme. Et bon, on s'est tous fait avoir au final. Non mais pour le coup, franchement très cool, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Très bon jeu de Deathmatch. Est-ce que vous voulez du coup en refaire une ou est-ce que je pense que les viewers ont peut-être compris le principe? Pitié pour moi, je vais pas en faire une. D'accord. C'est juste pas un jeu pour moi. Il y a trop de 3D. Eh ben écoutez, on va du coup arrêter là. Non, tu vois, on était sur un serveur public. Hein. Ah oui, donc c'est pour ça que quelqu'un a pu nous rejoindre. Donc, comme je le disais, merci de nous avoir suivis. Nous espérons toutes les trois que cette vidéo vous aura plu. On vient de se prendre une belle déculottée par un outsider qui nous a défoncé. Mais c'est très bon jeu, moi j'aime beaucoup personnellement. Moi aussi, pour une partie, franchement, c'est typique le jeu de l'apéro, c'est typique le jeu entre amis à vraiment faire vraiment sans aucun problème. Haro, t'en penses quoi toi? C'est pas un jeu pour moi. c'est pour moi, c'est pas du tout le type de jeu que je joue et c'est très compliqué pour les personnes qui ont des problèmes dans la 3D. Voilà, elle a un peu vomito au niveau de la 3D avec certains jeux. D'accord. Moi, j'avoue que ça m'a pas gênée. Pourtant, j'ai une cinétose assez difficile. Mais bon, c'est vrai que ça m'a pas gênée. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Bye bye.